La première de ses forces, éclatante, qui traverse absolument tout le jeu d'Anatole Rapoport, c'est la bienveillance. Revenons quelques instants à l'actualité. On nous parle beaucoup de crise, on nous parle de reprise, et nous pensons qu'on n'est ni en crise ni en reprise. On change de monde. Et on change de monde, effectivement, comme on l'a vu, en partie, en grande partie, peut-être même à cause des technologies. Votre métier, c'est ça. C'est donner la passion de l'entreprise. Et faire que vacciner les gens, et que tous les matins, ils se réveillent, en ayant envie d'en faire encore plus pour l'entreprise. Et c'est ça mon sujet d'aujourd'hui. C'est pas comment gérer les Y. C'est comment eux vont nous gérer demain. On va pouvoir bénéficier des éléments de simplification. On passe d'une bonne vingtaine de déclarations à une seule. C'est quand même beaucoup plus simple, avec beaucoup moins de données. Mais également la sécurisation. Ce qui a été vraiment important, c'est cette partie un peu écoute de l'équipe. On a décidé qu'on faisait des profits en se disant tant pis pour la santé, tant pis pour l'environnement, tant pis pour les destins humains, et on a perdu sur tout. Il arrive dans le travail à 20 ans, il dit à l'employeur, tu sais, on m'a pas dit non souvent. Il va falloir que tu trouves des solutions. Je suis basé à Londres et quand j'ai vu le format de HR Speak, ça m'a tout de suite parlé. Les intervenants choisis sont extrêmement variés. Impression très positive en fait, avec des intervenants de qualité, très dynamiques. En très peu de temps, on est obligé de donner la quintessence des choses. Il y a des interventions qui sont vraiment dans le fond, des interventions vraiment concrètes et des interventions en décalage pour un peu secouer les choses. En fait, je trouve que c'est une bonne formule parce qu'en 15 minutes, d'abord, il faut travailler sur ces messages essentiels. Mais surtout pour ceux qui écoutent, on a le temps de délivrer sa proposition de valeur. Moi, j'aime bien ce genre de truc un peu dynamique comme ça. Chouette, intéressant, réactif. Innovant, riche. Très pertinent. Ouverture d'esprit. Surprenant même. T'aide pour les RH. Je reviendrai. Ah oui, je reviens avec plaisir.